Salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Hogwarts Legacy, l'héritage de Oh bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie. On se retrouve à l'endroit de la cérémonie après la quête. Ceci me semble et plus on approprié. Va continuer tout ce qui est. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite. Depuis le début. Il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour George et les avertir pour Ranrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Donc, normalement, tout l'épisode s'était bien passé. Normalement, le premier épisode, ça a été un peu long. Normalement, les formats des Phineas vidéos à venir Nigellus Black vont être entre 25 et 35 minutes, les amis. Préparez-vous, je vous préviens en avance. Le directeur. En tout cas, le jeu m'a hypé beaucoup. J'ai adoré m'amuser au premier épisode. Merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Comment ça, des complications? Il semble que le problème des gobelins soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il me reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Nous voilà enfin à Poudlard. Ah... Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue, vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah là là, par contre, je ne sais pas du tout qui je vais choisir. Je n'en ai strictement aucune idée. Ah là là, le choix va être dur. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. Ah, j'ai hâte de commencer les cours, j'ai hâte d'explorer. Donc commencer les cours en vrai. J'ai hâte de rencontrer mes professeurs et d'apprendre tout ce que je peux à Poudlard. En effet, Poudlard a beaucoup à offrir aux élèves appliqués. Ce que vous apprendrez en cours vous permettra de relever les nombreux défis du monde extérieur. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc ? On doit choisir nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on sera? De l'audace, de la curiosité, de la loyauté. Si on doit me décrire moi, je dirais de la curiosité. Je suis très curieux. Une envie d'apprendre. J'adore réfléchir. Et je pense avoir un esprit vif. Vous êtes rusé. Oui, vous parvenez à élucider ce que les autres ne comprennent pas. Et vous avez l'esprit vif. Oui, vous apprenez vite. Vous seriez peut-être à l'aise à Serdaigle. Oh, juste parce que j'ai dit que j'étais curieux, ils m'ont dit Serdaigle. Le chapeau magique tiendra compte de votre choix au moment de vous affecter une maison. La maison Serdaigle, célèbre pour l'intelligence, la créativité et l'esprit de Serdaigle. Allez, on va accepter la maison. J'ai envie d'être un peu plus atypique, tout le monde prendre Gryffondor ou Serpentard. Serdaigle. Encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. C'est vrai, il n'y aura pas de Quidditch Silence dans le jeu. Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai.
Alors, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Aïe, 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 ça commence bien. Une arrivée en fanfare. Ravie de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune? Je m'en occupe, monsieur. Il a l'air d'être spécial, lui. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravie de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Ah. Alors, on va aller voir à quoi ressemblent les Serdaigle. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Ça ne sera peut-être pas simple, mais je suis sûre que ça ne vous effraie pas. En effet, professeur. Voici donc l'entrée de la salle commune de Serdaigle. Il faut résoudre une énigme pour entrer. Je ne vous aiderai pas, je le crains. Je n'ai jamais été très douée pour ce genre de choses. Qui a vécu le plus longtemps? Le fantôme ou l'esprit frappeur? Un fantôme ou un esprit frappeur? Un non-être ne peut avoir été. Ah ouais? Moi j'aurais été perdu. Bravo! Bon, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Un beau fond d'écran, ça, ce qu'on avait là. On n'a pas rencontré les élèves ? Tout le monde est déjà parti. Je ferais bien de rejoindre la salle commune. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh. Ok. Appelez elle. Franchement, c'est intéressant. C'est dommage que le jeu n'aura pas été en multijoueur. Bon, du coup, pour vous répéter ce que je disais au début, le format de vidéo sera entre 25 et 35 minutes. J'essaierai de tout montrer. Je montrerai vraiment presque tout de A à Z entre les passages. Au bout d'un moment, au bout de 5 ou 6 vidéos, je couperai peut-être les moments de transition entre d'aller d'un endroit A à un point B, peut-être. Mais en tout cas... Je compte bien vous montrer pas mal de choses. Donc nous, on doit aller vers là-bas. Est-ce qu'on a déjà... On va commencer un peu vers le haut. J'ai envie d'aller voir en haut. Ça promet d'être intéressant. Une seconde. Admire le spectacle. Oh, c'est quoi ça? Quelqu'un a jeté une bombe à bouse. Une bombe à bouse. Je m'attendais à une autre réaction. Dommage. Dommage. Ah ? À quoi tu t'attendais exactement ? J'espérais détendre un peu l'atmosphère. Les Serdaigle sont souvent nerveux le premier jour. Au fait, je m'appelle Everett. T'as l'air très calme par rapport à certains. Et pourtant, t'as survécu à un voyage assez éprouvant. J'ai hâte de commencer les cours, je m'inquiète un peu. Moi, j'ai hâte de commencer les cours. Je suis ravi d'être ici. Je suis prêt pour le début des cours. Tant mieux ! J'en suis ravi. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. La plupart des professeurs sont sévères, mais justes. Tu sais, je joue parfois des tours bien pires qu'une simple bombe à bouse, et je suis encore là. Attends, tu as dit que la plupart des professeurs étaient sévères mais justes? C'est ça. Mais je te laisse en juger par toi-même. Moi, j'ai tendance à tester leurs limites. Je vais m'éclipser avant de me faire attraper pour cette bombe à bouse. Content d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, Everett. Everett. Ok. La première personne qu'on rencontre. Ok. Attention. Ça ne va pas non plus. Oh. Je voudrais lui trouver l'emplacement idéal pour qu'elle soit heureuse, mais j'arrive pas à trouver. Ah ça. Bon sang de bave boule. Ma seule envie, c'est qu'il s'épanouisse ici. Bon sang de bave boule. C'est une expression à moi.
J'ai apporté de chez moi ce plan de dictame et j'ai vraiment envie qu'il se plaise. Je trouve le dictame incroyable. Un tel potentiel de soin dans une si petite plante. Comme tu le vois, j'ai un faible pour les plantes. Ravie de te rencontrer. Je m'appelle Samantha. Enchantée, Samantha. Est-ce qu'on utilise du dictame dans la potion Wiganweld? Mais oui, tout à fait. Je vois que quelqu'un a travaillé ses cours de potion. En fait, c'est le professeur Fig qui m'a parlé de la potion Wiganweld. Évidemment. Il paraît qu'il t'a donné des cours avant la rentrée. Le professeur Fig est énigmatique. Il enseigne la théorie magique, mais semble très bien connaître la pratique. Le professeur Fig sait beaucoup de choses sur... les différentes formes de magie. Enfin, j'espère qu'il ne t'a pas parlé que de la potion Wiganweld. Tu dois avoir plein de choses à rattraper. Ce sont les poufsouffles qui ont un penchant pour la botanique, pas les serres d'aigle, si? D'habitude, c'est le cas, mais c'est un truc de famille. À la maison, on en a planté sur tout un lopin. Disons que la botanique, c'est dans mes racines. Ah. Intéressant. Est-ce que les élèves cultivent souvent leurs propres ingrédients? Ah oui! D'ailleurs, notre professeur de botanique, Madame Bulbille, nous y encourage. Quant au professeur Sharp, notre maître des potions, il se moque de savoir d'où viennent nos ingrédients tant que nos préparations sont parfaites. Ok. C'était un plaisir de te rencontrer, Samantha. Bonne chance avec ton dictame. Merci. Ça te fait toujours très bizarre. Bonne chance à toi aussi pour ton premier jour. Ça fait toujours très bizarre la voix un peu... la voix un peu rock, un peu... Protego. Excellent, Amit. Parfait. J'aurais cru que... Oh, c'est pas comme ça que... Il est bizarre, ce type. J'espère qu'il observe les étoiles. Hein. Tu veux jeter un œil? Les livres derrière, là, c'était sympa. On ne voit pas grand-chose de jour. À part quelques étoiles comme Sirius, Canopus, Vega et Arcturus. Je suis Amit. C'est un plaisir de t'accueillir à Serre d'Aigle. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui avait vu un dragon d'aussi près. Franchement, je ne le recommanderais pas. C'est un plaisir de te rencontrer, Amit. Je parie que tu aimes l'astronomie. Oh oui. Ah bon? On peut apprendre tellement en observant les étoiles. Et puis, être au sommet de la tour, à l'air libre, sous le ciel nocturne, c'est tellement revigorant. Tu vas adorer l'astronomie. Le professeur Chat sait tellement de choses. J'espère que j'aurai des cours d'astronomie alors, ça a l'air intéressant. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu auras des cours d'astronomie. C'est obligatoire en cinquième année. Tu vas adorer la tour. Et puis, un bon télescope peut te montrer des choses que tu n'aurais jamais imaginées. J'imagine qu'on se verra en classe alors. Oui. Oh, en parlant des cours, mon premier de l'année va commencer. Il n'y a rien de tel que l'odeur du parchemin neuf. À bientôt! J'ai quelques petits problèmes avec mon micro, les amis. Donc, je ne sais pas si vous allez entendre ma voix un peu différemment. Mais c'est pas voulu. Je sais pas si on peut regarder. Non, on peut pas regarder. C'est dommage, j'aurais bien aimé voir ce qu'il voyait. Oh, toi, le mec, il se balade bien avec. Attention! Ça lui fait rien du tout. Et on peut pas rentrer ici. C'est assez spécial. Oh, en tout cas, elle est belle la salle. Cinquième année qui vient d'arriver. Je me demande d'où vient notre camarade. J'ai du mal à imaginer commencer aussi tard dans une nouvelle école. Oh, classe. Ok, je croyais que c'était là, mais non, c'est plus bas. On va aller plus bas. Non mais ouais, j'ai quelques problèmes avec mon micro, les amis, donc c'est un peu normal si vous voyez un peu... On va avoir changé un Bonjour. Peu. Bonjour. Alors, tout s'annonce au mieux pour votre première journée? Je rêve de cette journée depuis longtemps. J'en reviens pas d'être ici. Eh bien, vous y êtes. Profitez-en au maximum. On n'a qu'une seule première journée à Poudlard. Hmm? Bon, étant donné que vous nous rejoignez directement en cinquième année, vous allez devoir rattraper votre retard. D'autant plus qu'il vous faudra réussir vos épreuves de buse à la fin de l'année. B-U-S-E ? Le brevet universel de sorcellerie élémentaire. Il déterminera quel type de carrière s'ouvrira à vous après l'école.
Après en avoir longuement discuté avec le directeur et le département de l'éducation magique du ministère, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour assurer votre réussite. Ah, elle nous sort un livre. Tenez, là. Voilà. Ceci est un guide du sorcier. Il vous permet de consigner ce que vous apprenez afin que vous puissiez maîtriser tout ce qui est demandé en cinquième année. Je vous conseille de tirer parti au maximum de cet outil exceptionnel et très utile. Merci, professeur. Mais que voulez-vous dire par suivre ma progression ? Peut-être qu'une démonstration répondra à vos questions. Suivez-moi. Nous allons vous tester. Oh, on nous teste que maintenant? Ok. Par ici. En tout cas, les Serdaigles sont... Le guide vous proposera des opportunités de pratiquer votre magie et de vous éduquer sur le monde des sorciers. Poudlard. Pour l'instant, c'est assez... Lumos. J'aurais aimé avoir la chance de posséder quelque chose d'aussi utile que le guide du sorcier quand j'étais élève. Pourquoi ne pas essayer de lancer Revelio sur ce buste pour voir ce que le guide du sorcier Revelio pourra vous en dire. Buste de Serdaigle, un buste sculpté en l'honneur de la maison Serdaigle. Cette œuvre d'art est exposée dans l'imposante tour de Serdaigle. Sympa en vrai, une bonne description. Vous venez de débloquer un défi de Dugin, vous ferez un défi affiché ici. Ok. Donc pour afficher les guides, c'est là. Votre guide de niveau sorcier, ok. Ok. Ok, ça voulait pas y aller. Donc, progression, guide du sorcier, ok. Ok, ok. Pour l'instant, récupérer les pages. Réveillez, n'est-ce pas ? Cherchez d'autres opportunités comme celle-ci, à l'intérieur du château comme à l'extérieur. Réveillez. Ok, non, ça va pas. Il y a un truc en bas. Ok, il y a des trucs un peu partout. Sympa. Pas Lumos. De temps à perdre. On vous attend en classe. Protego. On a déjà trois sorts de base. On a le Revelio qui révèle du coup les choses qu'on sait pas. Oh, il y a un coffre. Oh, première énigme. Revelio. Bon. Revelio. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ok, on a gagné des pièces. Allez, cours. Ok, donc c'est, en fait c'est un truc, ok. Bon, on verra le mystère plus tard, en vrai. C'est intéressant, j'aime bien ce genre de petit mystère. Ça va nous faire un peu réfléchir. Ah, juste à temps. C'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement. Votre guide du sorcier contient une carte du château. Ouvrez-le et cherchez le hall central. Ouvrir la carte. Oh... Donc là, on cherche le halls.
Donc on a cherché le hall central, il est où? C'est la zone pour continuer. Ok, la zone de next. Ok, hall central. Ok, donc je me disais bien qu'il y avait que ça de déverrouillé. Ça me paraissait bizarre en fait. C'était assez spécial. J'ai un peu du mal encore avec le jeu. C'est normal, je viens de sortir, les amis. Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Lumos. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Il se passe toujours quelque chose ici. C'est le cœur du château. Notre garde King's Cross à nous, en quelque sorte. Je n'aimais déjà pas le... Bien, ce sera tout pour l'instant. Vous allez devoir assister aux cours de sortilège et de défense contre les forces du mal, aujourd'hui. Et ne tardez pas à vous rendre à Préolar pour remplacer les affaires que vous avez perdues en chemin. On va... Qu'est-ce que le Préolar? Vous avez mentionné Préolar, professeur. Préolar est le seul village réservé aux sorciers de Grande-Bretagne et abrite plusieurs boutiques et pubs. Vous devriez trouver toutes les fournitures dont vous aurez besoin à Préolar. Sous peu, vous y dégusterez, j'en suis sûr, nombre de bières au beurre avec vos amis. Pouvez-vous m'en dire plus sur les cours de défense contre les forces du mal? La défense contre les forces du mal, comme son nom l'indique, met l'accent sur la protection contre les forces maléfiques du monde qui nous entoure. Une maîtrise parfaite de la défense contre les forces du mal est exigée pour devenir Aurore. Heureusement, nous avons la chance de pouvoir compter sur le professeur Hecat pour enseigner cette matière à nos élèves. Que vais-je apprendre en cours de sortilège? Tout ce que vous pouvez imaginer. Sorts, enchantements, maléfices, tous très utiles. Je pense que vous allez adorer le professeur Ronon. C'est un sorcier brillant et amusant, doublé d'un enseignant très doué. Ok. Je vous remercie, professeur Weasley. C'est beaucoup pour un premier jour. Et vous avez tant à apprendre. Par chance, vos professeurs ont accepté de vous confier des devoirs supplémentaires après les cours. Vous rattraperez vite votre retard. Si je me fie à votre habilité à lancer Revelio, je dirais que le professeur Fig a eu l'occasion de vous montrer les bases. En effet, professeur. Il s'est montré assez vague quant aux événements qui ont précédé votre arrivée, en particulier cette terrible attaque de dragon. Je doute qu'il s'agisse simplement d'une histoire d'affaires égarées et de détours pour arriver au château. Nous avons fait un détour en venant ici. Nous avons exploré des ruines, et... je ne peux pas en dire plus. Des ruines, vous dites? Bon, j'imagine que le professeur Fig a de bonnes raisons de garder cela pour lui. Quand on parle du loup... Professeur Fig, vous devez avoir les oreilles qui sifflent. Oh? Oui, vous semblez avoir donné à notre nouvelle recrue de cinquième année des bases solides en matière de sortilège. Tout le mérite ne me revient pas, professeur. Je n'ai fait qu'aiguiser un talent certain pour la magie. Quoi qu'il en soit, je suis ravi que vous soyez arrivé entier. Des bateaux et des diligences desservent Poudlard, mais vous, vous choisissez de voler sous le nez d'un dragon. Je ne dirais pas que j'ai choisi le dragon, professeur. Malheureusement, c'est plutôt lui qui nous a choisis. Bien, assez bavardé. Je dois rejoindre ma classe. Puis-je compter sur vous, professeur Fig, pour fournir des explications détaillées sur la carte du guide du sorcier? Bien sûr. Merci. Nous revoilà avec lui. Je vous souhaite bonne chance. Et n'oubliez pas de vous servir du guide du sorcier. Il vous sera d'une aide inestimable. Ainsi qu'à moi, puisque je m'en servirai pour suivre votre progression. Oui, professeur. Venez me retrouver dans ma salle de classe après avoir assisté à vos deux cours. Je vous en dirai plus sur les devoirs que j'ai mentionnés.
Oh. Et nous verrons si nous pouvons aller à Préolard faire quelques emplettes. On va peut-être assister à notre premier cours. Quel plaisir de vous voir, professeur. De même. J'avais bon espoir de vous croiser avant que vous ne replongiez dans vos études. Vous ai-je entendu parler d'explorer des ruines avec le professeur Weasley? Je n'ai pas osé mentir. Mais je ne lui ai rien dit d'autre sur notre périple. Mais je pense qu'elle soupçonne que nous ne lui disons pas toute la vérité. Sans doute. C'est une sorcière brillante et surtout très perspicace. Vous avez bien fait de ne pas tout lui dire. Nous ne savons pas encore ce qui nous attend au bout du chemin. Elle risquerait de ne pas approuver que vous deviez vous absenter de temps à autre. Et elle pourrait se sentir obligée de donner au directeur des détails que nous préférerions taire. Compris, professeur. Bien. Bon, aussi capable que vous l'êtes, je pense que le don que vous possédez nécessite un entraînement rigoureux. Heureusement, vous avez la chance de pouvoir suivre les enseignements de sorciers et sorcières de talent. À ce sujet, et pour m'éviter un énième reproche à peine dissimulé du professeur Weasley, avez-vous remarqué que la carte de votre guide du sorcier était enchantée? Dépliez-la que je vous montre. En terminant les quêtes principales, vous progresserez dans l'histoire, débloquerez de nouvelles fonctionnalités et obtiendrez de l'expérience. Certaines quêtes sont verrouillées par un sortilège et ou nécessitent un certain niveau. Dans ce cas-là, vous devriez atteindre le niveau requis ou maîtriser le sortilège nécessaire pour activer la quête. Les nouveaux sortilèges peuvent être obtenus en terminant des devoirs de professeur ou en donnant en tant que récompense de quête. Suivez les quêtes. Ok. La carte est enchantée de façon à vous aider à trouver votre chemin. Cela me sera très utile. Merci. Bon, je crois qu'une journée chargée vous attend, entre les cours et vos achats de fournitures à Préolard, notamment votre baguette. Monsieur Ollivander va vous plaire. C'est un artisan hors pair et un ami fidèle. Je vous contacterai lorsque j'aurai plus d'informations au sujet de notre mystérieux médaillon. D'ici là, concentrez-vous sur vos cours et écoutez bien. Ce que vous apprendrez entre ces murs ne vous servira pas que pour votre buse. Intéressant, intéressant. Ok. Donc... Bonjour. Je crois pas qu'on se connaisse. Ah, bonjour. Je m'appelle Lenora. Excuse-moi si je te parais un peu distraite. Tout le monde pense que je suis complètement fêlée. Samantha dit que je suis juste bizarre. Mais ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant. Je connais bien Poudlard, et crois-moi, un cadre vide n'apparaît jamais sans raison. Quelque chose nous échappe. Ah, le cadre vide derrière nous? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux vides dans le reste de l'école? Oui, quelques-uns. Si tu veux mon avis, cet endroit est une énigme en lui-même. Si j'arrive à élucider cette énigme, je saurai quoi faire avec les autres. Ça me paraît être une bonne idée de commencer par là. As-tu appris du nouveau sur le tableau depuis que tu as commencé à l'étudier? J'ai découvert qu'il se passe quelque chose quand je lance Lumos. Mais j'ignore quoi faire ensuite. Si je trouve du temps, j'enquêterai. Ça peut être intéressant. Oh, ça fait longtemps que je me creuse la tête. J'espère que t'auras plus de chance que moi. Ok, ok, sympa. Surtout, viens me le dire si tu trouves une idée lumineuse pour résoudre ce mystère. Revelio. Oh, on a pas mal de sorts, mais on en a toujours pas. Avada Kedavra. Ok, il y a bien... Ok. Lumos. Cet endroit doit être un indice. Je devrais regarder s'il ne se trouve pas aux alentours. Ok, cet endroit... On peut vraiment apprendre beaucoup. Par défaut, j'aurais dit qu'il était en bas. Mais non. Ok. Ah, c'est peut-être là. Par contre, il nous donne l'indication, c'est pas ouf. On dirait l'endroit représenté sur le tableau. Qu'est-ce qu'il a de si spécial?
Sa statue a un sourire mielleux, représente Grégoire le Hautain, un sorcier médiéval connu pour avoir inventé la pommadante Grégoire, une potion qui fait croire à ceux qui l'utilisent que la personne qui leur a donné le breuvage est leur meilleur ami. Ah ouais. Lumos. Je vais te guider jusqu'à ton cadre, petit papillon. Ok. Si quelqu'un a besoin d'aide pour une maladie. Je le savais. Je devrais dire à Lenora que j'ai résolu l'énigme de ce cadre vide. Ok. Bon, bah, on est. Ok, bon, on va aller voir. On va aller la voir vite. Protego. Je la vois et je dis Protego. Lenora, j'ai résolu le mystère de ce tableau. Vraiment? Comment? Oh, bah ça. J'ai trouvé l'endroit représenté sur le tableau et j'ai lancé Lumos pour guider un papillon de nuit jusqu'au cadre. J'imagine que c'est logique. Dommage, j'étais si proche d'y arriver. Tu es doué avec les énigmes. Nati aussi est plutôt douée. Amit aussi. Même s'il a tendance à trop expliquer. Je suis contente que quelqu'un ait réussi. Ok. Les papillons de nuit. J'aurais dû le voir. Et que la lumière fut. Et ce qui fut aussi. C'est qu'on va s'arrêter là, les amis, pour cet épisode. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et laissez un petit commentaire. On se dit à bientôt pour la suite des aventures sur Poudlard. Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard. Ciao, 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 les amis.